Juste avant de lancer un nouvel épisode, je suis très heureux de donner la parole à quelqu'un qui travaille au quotidien avec la personne que vous allez entendre dans l'épisode d'aujourd'hui. Je veux parler de Thibaut Perilla, le fondateur de Lactique. Salut Thibaut Salut Hermano, euh, ravi de t'avoir euh, aujourd'hui. Je voulais te donner la parole pour pouvoir euh, parler avec nous de Lactique. Alors dis-nous tout, qu'est-ce que c'est que Lactique Alors euh, Lactique c'est... Une entreprise qui forme les, les athlètes de haut niveau et les indépendants du sport, euh, donc les nutritionnistes, les entrepreneurs dans le sport, les coachs physiques, les sophrologues, à créer du contenu donc sur LinkedIn pour générer des opportunités et gagner en notoriété. En quoi est-ce que toi et tes associés vous êtes légitimes pour former les sportifs de niveau et les indépendants du sport bah Très simplement, euh, moi en 2021, donc mon frère jumeau d'un camp qui est champion de France de marathon euh, galérait à la vie de, de son sport. Et comme moi je suis, je suis freelance en marketing depuis maintenant plus de 5 ans, euh, j'ai décidé de l'aider en fait à trouver des sponsors. Et j'ai notamment raconté son histoire en ligne sur LinkedIn. Et en l'espace de quelques mois, ça a très bien marché. J'ai réussi à lui trouver euh, plusieurs sponsors et aujourd'hui, il vit très bien de son sport. Donc, tu nous parles de la formation. Euh, tu peux nous parler rapidement de toutes les offres que vous avez chez Lactic On propose des formations e-learning pour accompagner les athlètes qui veulent se former euh, tout seuls. On est en train de lancer des bootcamps pour les accompagner individuellement sur 8 semaines et en plus de ça, on les aide à, pour la, les athlètes à monétiser leur communauté en les formant aussi à créer des, leurs propres médias euh, comme leur newsletter et, et, et la monétiser. Et vous vous adressez aussi aux indépendants du sport donc En fait, on a différencié, on a créé deux types de formations qui sont spécifiques une pour les, les indépendants du sport, l'objectif de trouver des clients et de, donc de générer des opportunités et de, et de gagner en notoriété. Et pour les athlètes de niveau, la, la spécificité c'est de trouver des sponsors et de développer une, une communauté. Où est-ce qu'on peut retrouver Lactique si on veut en savoir plus sur vos offres Tout Simplement sur le site web, donc sur lactique.fr. Euh, Sinon, vous pouvez aussi nous, nous trouver directement sur LinkedIn, sur mon profil Thibaut Péria, sur la page Lactique ou encore sur la, le profil de mon associé Pauline Lacroix. Super. Eh bien, écoute, Thibaut, euh, merci pour ces précisions. Chers auditrices, chers auditeurs, vous allez pouvoir juger de la pertinence de la prise de parole de l'athlète qui est chez Lactique que vous allez entendre aujourd'hui. Et puis, n'oubliez pas d'aller sur ses réseaux sociaux pour pouvoir le suivre, l'encourager et puis voir justement le résultat du travail effectué avec Thibaut. Allez, c'est parti. Je vous laisse pour l'épisode du jour. Dis papa, ils font quoi les sportifs quand ils sont pas sur le terrain? Eh ben, bah, croyez-moi, quand votre fils vous pose cette question, ça fait réfléchir. Surtout quand on sait que pas mal d'entre eux jonglent avec un ou plusieurs jobs pour pouvoir joindre les deux bouts. Et j'ai réalisé que beaucoup d'entre nous se posent la même question. C'est pour ça qu'il y a quelques années, j'ai décidé de lancer le podcast Dans les vestiaires pour plonger dans ces doubles vies. Parce que derrière chaque athlète, il y a une histoire et parfois un autre métier. À peu près au même moment, j'ai rejoint Eplayer, un cabinet de recrutement spécialisé dans les recherches critiques. Alors moi je suis recruteur tech et avec mon associé, on aide les entreprises à trouver les perles rares, mais on accompagne aussi les entités qui veulent définir ou redéfinir une politique de recrutement. Et je peux vous dire que des sportifs de haut niveau croisés au gré de nos chasses de candidats, on en a vu un sacré paquet. Et eh oui, parce que encore une fois, vivre de son sport n'est pas si facile quand on n'est pas installé au plus haut des podiums depuis des années. Et encore, comme une marque bien installée, il faut y rester et se réinventer sans cesse. Du coup, à travers les histoires inspirantes de mes invités, je vous propose de découvrir comment on peut répondre à nos enfants qui se demandent encore ce que font toute la journée ces sportifs de haut niveau. Parce que oui, entre sport et entrepreneuriat, il y a beaucoup de points communs. Et avec les JO de Paris qui approchent, c'était le moment de redonner vie à ce podcast. Alors restez après l'épisode, je vous donne tous les détails sur notre invité et je vous invite à aller voir la page sur le site vestiaire.org pour pouvoir le soutenir dans ses projets. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Salut sportif sportifs, c'est Armano et je suis très heureux de vous recevoir pour un nouvel épisode du podcast Dans les Vestiaires. Aujourd'hui, je suis à nouveau en physique, en face-à-face -face avec mon invité et euh, j'ai un peu peur, on en parlait un petit peu off, mais, mais il a l'air gentil. Regardez-moi ça, il a un beau sourire. On a la chance d'être accueilli dans la salle du Striking 15 à Paris 15 e euh, une salle de boxe, kickboxing, MMA. Euh, on va parler de tout ça avec mon invité qui est Ange Kounsli. Salut Ange Salut Armano, ça va bah très bien et toi <laughs> Très bien, très bien, très bien. Tu vois, j'ai essayé de faire une petite blague en disant que je, je voulais pas trop me frotter à toi, non, mais. Non, tu physiquement, t'as l'air gentil quoi. Ah, je le suis, je le suis, c'est pas que l'extérieur, <laughs> ne t'inquiète pas. Non, non, il a aucun souci là-dessus, t'inquiète pas. Euh, je te propose qu'on rentre directement dans le vif du sujet. Euh, L'objectif de ce podcast, c'est d'en savoir plus sur la vie des sportives et des sportifs de haut niveau, savoir comment vous financez vos carrières, comment vous vivez votre quotidien. Et la première question que je pose à mes invités, elle est toute simple. Qui es-tu Qui est Ange Kounsli Ok très bien, alors euh, je m'appelle Ange Kunzli, je fais 1m72 non, je... Non. Ah, euh, ah vas-y tu portes euh, un ça, ça peut intéresser certaines, oh, comme certaines. Comme Mac Zon. Tyson <laughs> les mêmes à peu près <laughs> au niveau de la nuque Non non non, euh, je suis euh, boxeur professionnel depuis maintenant euh, 4 ans ça s'est passé à, avant Covid euh, effectivement je travaille à côté, je suis coach euh, coach sportif euh, plutôt en boxe et euh, effectivement c'est un travail euh, on va pas dire alimentaire parce que c'est un métier de passion mais euh, je suis obligé effectivement j'aimerais bien ne faire que de combattre mais c'est trop difficile en France. C'est trop difficile et pas assez rémunérateur Tout à fait, tout à fait. On est très mal de toute façon dans le, dans le, en France. Il y a que le foot qui compte, donc on est tous très mal euh, visibles. Enfin, à la télé, il y, y, y a aucun, aucun autre sport qui, qui prévaut, mis à part celui du foot, quoi. Ouais, y a un petit peu de tennis, un petit peu de golf, un peu de rugby. Oui, mais ça reste très élitiste et de toute façon, c'est pas en France. En France, c'est que le foot qui compte. Euh, tu disais que tu es boxeur. Quel type de boxe Alors j'ai commencé par la boxe française, la savate avec euh, uniquement les pieds et les poings, donc on combat en chaussures et avec une tenue, une espèce de salopette qui, <laughs> qui fait plus de mal à la discipline que, que le reste. Euh, après j'ai commencé à faire du kickboxing, là récemment j'ai décroché une ceinture à un titre en ISK Europe, en kickboxing et euh, j'ai aussi fait du K1, donc cette fois-ci ce sera avec les coups de genoux autorisés et j'ai combattu aussi en muay thai donc avec les coups de coude et les coups de genoux autorisés wow. MMA, non euh... MMA ah bah ça y est là je vais faire ma transition je vais travailler un petit peu le sol pour euh, être complet et oui effectivement je vais aller dans le MMA parce que pour faire le parallèle entre l'argent etc le MMA est passé légal en france depuis quelques mois donc euh, tout le monde en parle c'est l'émunition de partout donc oui effectivement je vais me, je vais me lancer dans le MMA mais je pense que Jimmy Vienno aussi voulait ouais, ouais. se mettre dedans il me semble bah effectivement je t'avais dit euh, en off que euh, j'avais eu la chance d'avoir aussi Jimmy Vienno dont j'ai publié l'épisode il y a quelques semaines euh, qui a euh, aussi performé euh, à très haut niveau en kickboxing et en muay thai et qui se lance maintenant dans le MMA et euh, son approche était la même de dire bah c'est un autre sport certes mais c'est aussi beaucoup plus rémunérateur que la boxe ou le kickboxing c'est ça bah, c'est la mode tout le monde en parle même si les gens ne regardent pas ils ne savent pas ce qu'ils veulent regarder bah ils en regardent quand même bah, non, mais je dis ça parce que j'avais vu un, j'étais allé voir un ami qui combattait, euh, Racim, qui combattait à l'Ares, c'est un combat de MMA, et euh, dans, le, dans le public, dès que ça allait au sol, dès qu'il y avait des emmenés au sol, donc les, les frappes sont autorisées au sol, tout le public, de façon unanime, criait, relevez-vous, relevez-vous et pétez-vous la gueule debout. Ce qui sous-entend bien que les gens ne savent pas ce qu'ils veulent voir. Ils veulent voir du kickboxing, mais en mitaine, parce que c'est très impressionnant. Ils ne veulent pas de voir deux mecs se chiffonner par terre. Mais c'est ça le MMA c'est 50% au sol, 50% debout. Et les gens ne savent pas ce qu'ils veulent. Et ils m'énervent. Voilà. <laughs> bon, va... Calme-toi, calme-toi. Je ne voudrais pas t'énerver. Non, non, te plaît. Pas. <laughs> je tiens à mon intégrité. <rire> Parfait. <rire> euh, bon, revenons un petit peu sur toi. Euh, je t'ai demandé qui tu étais. Donc tu nous as dit euh, tes mensurations, pour déconner, euh, Mac Tyson. Et puis après, euh, t ai, t ai, t ai, tu nous as dit un petit peu ce que tu pratiques comme sport. Euh, quand est-ce que tu as commencé le sport C'est quoi pour toi le sport d'aussi loin que tu te souviennes bon, Pour moi, alors le sport, c'est avant tout une énergie. J'ai commencé avec beaucoup d'énergie à faire tout et n'importe quoi. Donc j'ai commencé à faire du roller, j'ai commencé à faire du skate, du BMX, tout ce qui me donnait un peu de frisson, qui me donnait de la vitesse et du risque, hein, toujours hein, là-dessus là on est bon. Et, euh, et après ça s'est doucement dirigé vers la boxe parce que c'était le sport qui pour moi était le plus intensif. C'est ce qui me calmait le plus et me canalisait le plus, que ce soit dans, le, dans la manière de boxer, c'est-à-dire dans l'énergie dans que je, je mettais dans les coups, et dans les coups que je me recevais et qui me faisaient frissonner aussi. Waouh! <laughs> pas toi? Oh, ouais, pas... moi je fais pas de boxe, mais du coup j'ai un frisson qui me, tra qui me traverse. <laughs> euh, et euh, et c'était ton choix, la boxe? Euh, tout où à fait. Ou c'était tes parents qui se sont dit on, on va doit... lui trouver un sport pour qu'il mmh. se défoule? Non, 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 du tout, du tout, du tout. Ça s'est imposé à moi euh, tout naturellement. Euh, comme je te dis, j'avais beaucoup d'énergie. Je fais partie de ces, de ces gens qui ont, qui ont toujours eu de l'énergie et qui ont besoin d'extérioriser. Sinon, euh, on se bouffe. Et, euh, et je me suis dirigé vers ça euh, assez naturellement, mais sans me prendre la tête. Tous mes potes, euh, ah, pendant la crise d'ado, tout le monde voulait être boxeur. Tout le monde voulait montrer qu'ils en avaient dans le, dans le caleçon. Donc, euh, du coup, bah je me suis mis tranquillement à la boxe et j'ai pris goût en fait. Je me suis accroché dedans et j'ai tout de suite compris que c'était pour moi et que c'était là où j'allais performer. Et comment est-ce qu'on progresse à ce moment-là quand tu commences la boxe, quand tu commences notamment la savate euh, Combien de temps ça prend euh, Quels sont tes objectifs Est-ce que tu, euh, tu nourris déjà des objectifs très tôt Est-ce que tu les affiches très tôt Est-ce que tu restes humble Alors je sais qu'il y a beaucoup de questions, c'est ma spécialité. <laughs> c'est un petit peu pour t'aider, t'orienter. Bien sûr, bien sûr. Euh, alors pour ma part, au début, je me suis tout de suite dit ce que j'étais bon dedans pas dans le sens où j'étais le meilleur mais dans le sens où moi personnellement j'appréciais ce que je faisais je, je, je voulais en avoir plus en savoir plus en comprendre plus et assez tôt, en fait euh, bah après c'est la salle de boxe surtout que j'étais en banlieue donc tout le monde veut se frotter tout le monde veut se tabasser se mettre KO etc et on m'a plusieurs fois on m'a mais dans les, dans les dans les premières années enfin même les premiers cours tout le monde voulait me tabasser me mettre KO du coup j'ai commencé à tourner et Très vite, j'ai vu que j'étais bon, que je pétais des nez, que ça fonctionnait, qu'il y avait des chaos, et du coup, euh, du coup, je me, suis, je me suis, mis dedans à fond, quoi. Ça m'a, ça m'a, ça m'a appelé. J'ai senti qu'il y avait un, quelque chose à faire, et donc, du coup, j'ai voulu. En fait, c'est de mon fait. J'ai voulu être bon. Pas... Je me suis pas dit que j'allais être bon. Je me dis que je, je veux être bon. C'est ça. Alors, pourquoi vouloir être bon pour? Euh... Être au-dessus de du lot, au-dessus ouais, des autres, pour, pour euh... péter la gueule des gens. <rire> <rire> être sûr de, de moi et de... Non, euh, bonne question, bonne question. Peut-être un mix des deux, hein. Peut-être un mix des deux, entre je lui pète la gueule et, euh, et je suis bon. Non, mais en fait, comme je disais, ça me... J'aimais ce que je faisais de, de, de moi et j'aimais ce que je, je faisais ressentir aux autres. La douleur c'est pas qu'une question d'image, c'est aussi... Non, euh... non, non, du tout, du tout, je pense que c'est avant... Et c'est là, je pense qu'il y a des mauvais et des bons boxeurs, je pense que c'est là aussi où on sent qu'il y a des mauvais boxeurs quand ils sont axés que sur eux, et pas sur, euh, sur son partenaire ou adversaire. Bon, euh, c'est comme il y a des bons chasseurs et des mauvais chasseurs... Euh... Exactement, tout à fait. <laughs> Le bon chasseur, il se reconnaît parce qu'il est... Voilà. <rire> <rire> euh, combien de temps de ça va du coup avant de switcher vers autre chose euh, J'en ai fait peut-être une bonne dizaine d'années et après j'ai switché. En fait, j'ai commencé très vite à combattre en savate, j'ai fait quelques combats en kick, euh, en K-1 et j comme, comme j y avait la, grâce à la, à la boxe française qui, qui n'est pas reconnue comme un sport professionnel, on a le statut d'athlète de haut niveau. Donc on voulait absolument avoir ce statut pour pouvoir profiter de tous les avantages qui, qui en découlent. Quoi. Alors, on va revenir sur ces avantages. Ouais, euh, oui. J'imagine que quand tu as le statut de sportif de niveau, c'est bingo, tu touches des millions. Absolument pas, mais tout à fait, <laughs> tout à fait, tout à fait. Restons un peu sur ton parcours de boxeur. Euh, une dizaine d'années en savate. Quel est le, le déclic, le switch qui te fait passer à autre chose, à un autre sport, à une autre pratique, même si ça reste du sport de combat. Alors, bah déjà, c'est uniquement pour le... C'est... Le fait d'aller dans d'autres disciplines, c'est le plaisir, en fait, de, de, de découvrir d'autres choses qu'on ne connaît pas. Et, euh, et à côté de ça, c'est aussi le cercle qui est assez fermé de la boxe française. Euh, j les adversaires, je dois les rencontrer minimum trois fois, quoi, les mecs. Il y a un moment donné, j'en peux plus. Euh. Non, mais c'est vrai, on s'est rencontrés trois fois, euh, c'est bon. Ouais. Il faut aller avoir d'autres horizons et, euh, et du coup donc je suis allé très vite euh, en kick, en kawane et en savate pro aussi. Est-ce qu'il y avait une question aussi, un petit peu comme ce switch vers le MMA dont on parlait tout à l'heure, ouais. de euh, aller chercher une discipline un peu plus rémunératrice? Tout à fait, tout à fait, si si si, bien sûr. La savate est très mal. Pendant un temps, il y avait eu l'âge les, les... d'or de la savate, c'était dans les années 90, où c'était vraiment le, le best, c'était passé, ça passait sur le canal, tout le monde s'était enseigné dans les, dans les lycées, tout le monde à un moment donné en universitaire a fait de la savate, ceci cela, et c'était c'était un... ça, ça passait à ça passait au niveau national. Maintenant, il n'y a plus du tout ça. Le, ce qu'on voit, c'est l'ORI, c'est l'infusion, c'est le MMA, l'UFC. Donc euh, oui, effectivement. Et à un moment donné, on savait, je savais, moi et mes entraîneurs, qu'à un moment donné, on allait devoir dévier. Quoi. Si je voulais en vivre, et puisque j'étais bon et que ça, que ça marchait pour moi, effectivement, si je voulais ne faire que ça, il fallait que je, je transitionne. Et comment on se lance dans cette transition on change les entraînements, euh, on s'inscrit ou on se fait inscrire euh, euh... sur des combats et puis du coup, on a un peu la corde non, 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 non. Ah, moi, j'ai eu la chance d'avoir des coachs qui étaient, euh, qui étaient vraiment euh, multi euh, multidisciplines. Donc, euh, on m'apprenait de temps en temps. On, on faisait quelques séances sur les genoux, sur les coudes, sur le sol, etc. Mais c'est de moi-même, de moi-même, où je suis allé dans d'autres salles de jujitsu, de grappling, où je faisais uniquement du sol. Et, euh, et après, je revenais sur le, le pied-point et ainsi de suite. Comment est-ce qu'on se dit à ce moment-là euh, Je vais aller sur une autre discipline, sur une variante de la discipline, pour essayer d'en vivre. Euh, quelle était ta stratégie justement pour commencer à en vivre Tu nous disais tout à l'heure que, euh, à côté de la pratique de ton sport de haut niveau, euh, tu es coach euh, pour pouvoir euh, manger, quelques manger, manger, et voilà, voilà, pas euh, mourir, ouais. acheter des épinards et mettre du beurre dans les épinards, euh, et surtout un sportif de haut niveau. Qu'est-ce que ça bouffe Ouais <laughs> mais, malheureusement. Ouais. Mais, mais quelle a été ta stratégie justement euh, au moment où j'imagine t'arrêtes tes études et tu te dis allez maintenant je me mets dans le sport et il faut que j'en vive, donc comment je fais <laughs> Il n'y a pas de stratégie en fait. Non, il n'y a pas vraiment de stratégie. C'est assez, assez nébuleux c'est assez compliqué, surtout en, en, en boxe, Parce que c est, c est, on n'est pas du tout sur un. Sur le format américain. Oui, c'est super euh, galvaudé. Il y a tout un tas de, de personnes derrière soi. C'est vraiment nébuleux. Il n'y a vraiment pas grand chose. Euh, c est, c est, on y va. Enfin, on y va comme, comme je, on est. Je ne sais pas. Quoi. Je comprends pas. Moi, tu me parles de boxe. Je vois Rocky. Ouais, je vois non, le mec se retrouve ouais, un peu dans un Non, sa non, mais... excuse-moi. C'est de ma faute. Je... Non, non. C'est en fait comme il n'y a, a pas de il n'y a, a pas de 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 structure Il n'y a pas de structure, il n'y a pas de... le, le, le Personne ne nous paye pour nos entraînements. C'est-à-dire que c'est au c au combat qu'on est rémunéré. Et qui nous fait les combats Ce sont les, les, les organisateurs. Si euh, si pendant cinq mois, il y a aucun organisateur qui nous veut sur son sur, sur, sur sa carte, sur son gala, bah, pendant cinq mois, on boxe pas. quoi. Donc euh, pendant cinq mois, il y a pas d'argent qui tombe. Et alors, comment est-ce qu'on fait pour se faire connaître, reconnaître, repérer par les organisateurs Parce que bah, comme alors, tu le dis, y... pas de combat. Pas d'argent, mais comment on fait pour aller sur un combat J'imagine que palais, tu décroches pas, pas ton téléphone et puis tu dis hey, « Salut, ah ouais, moi je suis boxeur, Exactement, je peux venir ouais. ?» bah, Normalement, c'est au coach de faire ce travail-là, mais une fois de plus, est-ce que les coachs ont les contacts Est-ce que les organisateurs veulent de ce combattant-là le, le vrai point qui va marquer les esprits là, en 2024, aujourd'hui, c'est une fois de plus le fric et ça va être le nombre de personnes qu'on ramène sur les galas. C'est-à-dire que si là je suis le boxeur le plus nul au monde, mais je ramène 500 000 personnes sur un, sur un combat, et ben bah tout le monde va me vouloir. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a plein de petites stars de TRAIT, de YouTube, de je sais pas quoi, qui, qui sont sur des événements grandioses et qui ramènent tout un tas de personnes parce qu'ils font des entrées. Et si on a le meilleur des boxeurs qui met que des KO mais qui n'est pas connu, et ben bah on n'en voudra pas en fait, tout simplement. Ouais, dans une certaine limite. J'imagine que, comme tu disais tout à l'heure, les gens ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent voir, mais ce qu'ils veulent voir, c'est de la baston. Donc finalement, emmener, amener le meilleur des boxeurs juste pour qu'il aille mettre KO la star de, tél de télé-réalité, ça peut être euh, un pari gagnant. Oui et non, parce que ça. De... Alors, pour, amener, pour mettre KO le, le mec de la, tél la télé-réalité, oui, mais pour, être, pour mettre Nikao, un autre boxeur qui est très très bon, pourquoi il prendrait ce risque et ouais, c'est là le problème. Est, elle est là la problématique. C'est que euh, même si le, le boxeur veut affronter le meilleur des meilleurs mais qu'il n'est pas connu, bah pourquoi je l'affronterais ouais. en fait ouais. Et c'est là c'est là toute la problématique de la boxe et, euh, et du fait que ce soit pas, pas si bien géré que ça. Quoi. Alors si je ne m'abuse, il y a une fédération française de boxe, Tout à fait. Euh, il y a aussi une fédération internationale, euh, au milieu il y a la fédération européenne. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'on euh, bah, choisit de s'orienter plutôt vers le kickboxing vers le MMA plutôt que vers le noble art euh, et la boxe pour être encadré par la Fédé peut-être aller au JO peut-être faire des championnats du monde ah ça va être les attentes c'est ça ouais mais après ça va être au-delà au de la passion qui est que euh, je préfère moi mettre des coups de des coups de pied dans la tronche des gens <laughs> non mais c'est pas que pour courir ou marcher ouais. tu devrais essayer ne c'est pas que pour courir ouais ça. écoute je serais peut-être ouais. tu peux courir hop d'un coup tu mets un petit shoot dans un quelqu'un puis après tu recours derrière c'est plutôt sympathique euh, bah, c'est aussi les attentes du boxeur c'est-à-dire que comme euh, comme as dit s'il veut faire les JO il euh, n'y bah, aura que le noblard fin d'histoire il y aura le taekwondo mais bon là ce ne sera même pas du pied-point etc il y aura le karaté mais une fois de plus c'est pas c'est pas... autre chose donc euh, assez, assez compliqué c'est plutôt au boxeur de savoir ce qu'il veut dans le futur plutôt que l'inverse et la fédération française euh, est-ce qu'elle intervient aussi pour faire euh, grandir évoluer des sportifs comme toi qui commencent par la savate qui se cherchent un peu et après qui passent sur une autre discipline absolument pas d'accord Très bien. Tu as besoin de plus d'explications non, non, bah, euh, non. mais restons un peu là-dessus. Tout à l'heure, tu me disais que il euh, n'y a pas de statut de boxeur professionnel. Vous n'êtes pas payé pour combattre. Enfin, vous n'êtes pas payé pour vous entraîner. Vous êtes payé au combat. J'imagine qu'en plus, tu as une prime au vainqueur. Ça dépend. Ça dépend. Ouais, ça dépend. Oh, non, non, non. C'est pas du tout. C'est ce que je te dis. C'est que on, a, on se fait beaucoup d'idées avec, euh, avec, avec Internet, avec les États-Unis, avec tout, tout ce qu'on entend à droite à gauche. C'est pas des millions. Les bonus sont rares et quand ils sont, euh, c'est pas, il n'y en a pas toujours. Hein. La plupart de mes combats, il n'y avait pas de prime à la victoire, ni au KO, ni quoi au caisse. Bon, et comment on vit dans ces cas-là Parce que, ok, t'es coach, euh, tu nous dis que c'est pas des millions. Est-ce que tu peux nous dire, je sais pas, ton plus beau combat euh, en termes de revenus, ça représente quoi Alors, juste sur le montant. Après, je mettrai un disclaimer justement sur ce que tu peux faire de cet argent, mais sur le montant, un gros combat, ça représente quoi Alors, euh, en pieds points. Bah là ça va être simple. Alors c'est mal vu de parler d'argent euh, parce qu'en plus on sait pas euh, on sait pas où est-ce que ça va aller, mais en pied point ça va jamais très haut. Euh, le plus beau ça va être 4000. Et avec euh, les primes et tout, voilà, ça peut monter à 5 et grand, grand max quoi. Donc maintenant c'est moi qui fais mon disclaimer, 5, euh, on enlève dessus les impôts, les taxes les frais d'entraînement, euh, la prime que tu donnes euh, éventuellement au coach et fait. au final il te reste 200 balles pour manger. C'est ça, c'est ça et on s'est entraîné euh, deux mois avant. C'est ça. Donc c'est pas c'est pas oh non ça va pour euh, quand les ça, ça, ça on me le fait beaucoup ça oh, ça va pour euh, cinq minutes dans le ring oh ça va c'est oui sauf que s'il y avait que cinq minutes mais il y a y la bouffe il y a les compléments alimentaires il y a pendant deux mois euh, à s'entraîner quoi. Enfin, deux donc mois ça. de préparation spécifique pour ce combat. ça Il y, y a quinze 15-20 ans euh, ah, avant. Euh, où t'as, euh, ta galéré, as investi sur toi et, euh, et sur ce potentiel ouais, combat. C'est ça. Je réponds à ta, ton objection où tu disais c'est pas facile d'en parler parce qu'on sait pas où ça va aller. D'où mon disclaimer. Euh, soyons euh, réalistes. Euh, c'est pas parce que, tu m'annoncerais même vingt mille balles, je te dirais ok, bien. Mais ton entraîneur, tu payes payes combien Ton abonnement à la salle, ça. tu les le payes combien Tes compléments alimentaires, tu les payes combien Tes chaussures, ton ton matos, ta tenue, etc. Exactement. Euh, est-ce que toi là-dessus par exemple tu es accompagné par des partenaires euh, donc plus que des sponsors financiers mais par des partenaires en termes de matos comment est-ce que tu mets bout à bout tout ça tous les mois Alors c'est que, que récemment que j'ai effectivement commencé à faire un maximum de, de pubs et de dans, euh, demander de l'aide parce que euh, bah le, le je me fais le temps le temps le temps passe mais euh, j'essaie de me faire aider un maximum euh, j'ai eu pendant un temps j'ai eu du, du mécénat euh, ce qui est bien mais ce qui est assez compliqué à, à mettre en place. Les sponsors seraient l'idéal, malheureusement tout le monde est frileux, le sport en France, bah, tout le monde s'en fout, personne n'en a rien à péter du sport. Et euh, c'est très, très compliqué, ouais. c'est très très compliqué de mettre tout ça. J'ai essayé un maximum, hein. Décathlon euh, m'aide un petit peu, je, il me, on a un partenariat, il dès que je demande des, des, nouveaux, des nouveaux équipements, ils il m'envoient leur, leur, leur dotation. Maintenant, ça reste, ça reste compliqué et ponctuel. Quel est ton avenir Justement, alors au-delà d'aller faire du combat et péter la tronche ouais. de tes adversaires, ouais. on aura bien compris que c'est ce que t'aimes oh, bien. <laughs> non, mais euh, d'un point de vue euh, préparation de l'avenir, d'un point de vue euh, financier, comment est-ce que tu te vois dans 5 ans Est-ce que c'est viable Est-ce que c'est pérenne une situation pareille Alors, euh, c'est assez compliqué. Je ne me projette pas trop parce que je sais pas de quoi demain est fait, d'autant plus dans un métier à risque comme, euh, comme le mien. Mais euh... non, je sais pas. <laughs> On revient un petit peu sur le statut de sportif de haut niveau dont ouais. tu parlais tout à l'heure. Donc il a pas de, vous n'êtes pas payé pour vous entraîner uniquement au combat, euh, mais vous allez quand même chercher ce statut de sportif de haut niveau. Qu'est-ce que ça t'apporte, notamment dans la savate ou dans le kickboxing, en France, d'être sportif de haut niveau Ce qui est le plus euh, cool dans le statut d'être de niveau, c'est que si on a un partenaire, si travaille avec euh, la, avec la, si on a un travail, comment on dit avec le pays, euh, okay. avec l'État, voilà. RATP, etc., bah, on a des aménagements d'horaires de travail euh, et tout ce qui s'ensuit. Donc, ça, c'est vraiment. Mais bon, il faut, faut avoir déjà un pied dans le, dans le, dans dans le taf. Dans l'administration. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, et en dehors de ça, est-ce que ça te permet de toucher des aides, des primes, des subventions Est-ce que ça te permet certains passes-droits Est-ce que il y a eu il y, a eu, y a eu certains passes droits euh, pendant le pendant toute la période du covid j'ai pu m'entraîner euh, où est-ce que je, où est ce que je voulais quand je voulais etc mais sinon ça va pas chercher très loin et c'est surtout une, ce que je disais c'est si on a un travail euh, qui est euh, style RATP ou qui est dans l'état là ouais là on a des avantages ce que je n'ai pas eu <laughs> euh, ce qu'on peut peut-être avoir aussi en intégrant une, une entreprise privée d'une certaine taille avec ces fameuses CIP, les conventions d'insertion professionnelle, pour les sportifs de niveau, pour les étudiants aussi dans un premier temps, mais non... Non, j'ai rien eu de tout ça. <laughs> j'ai rien eu de tout ça, donc je ne saurais te dire... Ouais. Les prochaines échéances, euh, à l'heure actuelle, euh, tu prépares des combats tu... Je vais aller euh, combattre en Thaïlande. Donc, ça, ça va être la première des choses. Et dès que j'ai fini de combattre, je, je rentre et je vais faire du MMA. J'évolue actuellement à l'US Metro. C'est une, une très belle salle de MMA avec plein de combattants très connus. Et ils m'entraînent très, très bien. J'aimerais bien combattre assez vite ouais, en MMA. Ouais. Donc, tu as un pied à l'US Metro et un pied ici euh, au Striking ça, 15 Tout à fait. En fait, euh, l'US Metro, ça va être pour euh, m'apprendre, on va dire. Et le, le Striking, ça va être pour euh, rester sur mes, sur mes qualités. Comme ça, j'oublie pas ce que je vais faire et j'en apprends des nouvelles. Pourquoi la Thaïlande Il fait chaud. <laughs> Il fait chaud. <laughs> ben là, on est au chaud. Là. On Il est... fait chaud, la bouffe est à 3 euros. Euh... Non, non, là... non, non c'est pour le plaisir. Là-bas, bah, on peut combattre assez facilement. Euh... C'est le... le pays de la boxe thaïlandaise. Donc, euh, bon. Tu pars combien de temps là-bas Je vais partir 4 semaines. Je vais m'entraîner tous les jours, une à deux fois par jour, je combattrai là-bas, et puis après je reviens, je serai en pleine forme. Ouais, tu vas te faire ton petit week-end shock, et puis Exactement. après, quand tu reviens, il va commencer normalement à faire un petit peu plus doux. Et j'espère pouvoir attaquer cette transition Ce, ce qui serait bien, c'est que vous preniez toute la flotte sur la tronche, ouais. avec euh, tout le froid possible, pendant que moi je suis au soleil, et après on voilà, et après On, on inverse. échange, ouais. ouais, ça me va ça. Donc en fait, tu pars avec le soleil et tu reviens avec le soleil En tant que moi-même fils du soleil, ouais. <rire> <rire> en tant que roux, ouais, je, ouais, je me sens proche. <laughs> de ta transition vers le MMA. L'objectif, c'est de partir sur des combats la MMA déjà dès cette année, en 2024. Ça serait magnifique, ouais. C'est vraiment ce que je veux. Euh, donc, pas de JO pour toi Non, non, non. Et puis les JO, malheure... Enfin, malheureusement, j'ai été invité euh, récemment par euh, la Française des Jeux pour des interventions pour les les athlètes qui ont qui ont fait les JO et qui étaient en reconversion. Waouh, c'était l'apocalypse! Euh, ah, mais ça m'a foutu le cafard! Non, non, c'était pas possible. Enfin, c'était très bien organisé, tout était bien, hein, mais euh, mais le discours d'après JO, c'est l'enfer. Parce que déjà, ça tombe qu'une fois. Il faut performer vraiment très très haut pour être connu. Il faut prendre tout ce qu'on peut le plus rapidement possible parce que sinon, après, il n'y a plus rien. Et euh, c'est pas rémunéré, hein, les JO. Il hein. y a rien pour les, pour les boxeurs, enfin pour les, pour les athlètes. C'est Non, non, c'est les JO, c'est très spécial. C'est très, très spécial. faut vite, vite, vite changer. Déjà, faut gagner. Il faut aller <laughs> tout en haut. Et il faut vite, vite changer de voie parce que sinon, c'est une impasse. C'est une impasse. Et comme je disais, tous les, les anciens athlètes de, des JO qui racontaient leur, leur expérience. Très compliqué. Pour moi qui étais encore dans le circuit, je n'avais pas envie de Je vais partir le plus loin possible. Alors euh, tout à l'heure en off, on en parlait. Euh, j'ai eu l'occasion de rencontrer euh, les fondateurs de Aubaine ce matin. Euh, chez Aubaine, il y a une autre sportive que j'ai pu interviewer qui est Mathilde Petrio, qui elle est en lice pour se sélectionner pour les Jeux Olympiques en tant que gardienne de l'équipe de France de hockey euh, sur gazon. Et effectivement, elle disait euh, là, cette année, on arrive à peu près à financer notre carrière, euh, mais euh, à partir du mois d'août, à la fin des JO, eh bien, on sait pas, c'est la grosse inconnue. Et ça rejoint ce que tu disais. c'est En gros, tu fais tes JO, tu t'éclates, et puis après tu prends la poudre des et tu passes bah, sur autre chose. Voilà, bah, c'est ça. Et, et si tout va bien, elle gagne tout, elle est super connue, elle passe dans téléz et, euh, et ça va aller. Et sinon, bah ciao. Donc, bon, retour donc, à la réalité, et là c'est difficile. Ouais. Raison pour laquelle toi, tu entames ta transition euh, vers le MMA une reconversion qui est prévue après, dans quelques années Est-ce que tu, tu, tu te projettes déjà un petit peu là-dessus, sans véritablement te projeter euh, pour reprendre la question que je te posais tout à l'heure sur l'avenir euh, à court bien terme, sûr. mais sur le long terme, 5-10 ans, est-ce que euh, tu prépares déjà une reconversion en même temps que tu prépares ta transition Alors j'y pense, oui, fatalement. Euh, J'essaie de voir un peu plus loin que le bout de mon nez, mais c'est assez compliqué de se dire que... Surtout pourra... un nez que j'ai bien cassé Non, c'est toi qui mets des bourpifs, c'est pas toi qui des Ouais, ça va, ça va, <laughs> il, était... il... il a été touché. <laughs> Là je suis au max. Là je respire bien là pour moi là. Là c'est okay. là c'est le top. Euh, pour en revenir à la reconversion, non non j'y pense, j'y C'est très lointain mais j'y pense. J'espère bien évidemment je, je vais pas pouvoir boxer toute ma vie, je vais pas pouvoir coacher toute ma vie donc je, je pense j'ai quelques idées à droite à gauche. Voilà, sans plus, euh, je me le mets dans un coin de ma tête, faut pas trop non plus que je me concentre là-dessus, parce que sinon je vais me dire, bon, pourquoi je le fais pourquoi je le fais pas maintenant, et pourquoi euh, je, me, je me lève tous les matins, je me fais de la douleur, mais bon. C'est peut-être le sujet, c'est vrai que je, 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 je l'élude un petit peu, ouais. mais euh, on parle sur ce podcast de comment est-ce que les sportifs vivent de et par leur passion, euh, mais préparer à la reconversion, c'est-à-dire est-ce que, euh, à ton avis, ça pourrait se préparer déjà dès maintenant, en s'attachant les services d'un conseiller en gestion de patrimoine de, parce qu'on n'a pas besoin d'être milliardaire pour avoir un conseiller en gestion de patrimoine. Euh, même 50, 100 euros par mois, bien orienté, savoir où les placer, les faire fructifier. Tu gagnes un combat, youpi, tu gagnes 5000 balles. Si tu peux te permettre de les placer quelque part, et eh ben de les placer pour l'avenir. Parce qu'il euh, y a aussi une chose dont on ne parle pas c'est euh, la vie de sportif de haut niveau. Si tu n'es pas salarié, euh, comment est-ce euh, on met de côté pour la retraite Tes points retraite, tes années de travail, etc. Là, tu es en vacances en tant que sportif. Tu t'entraînes tous les jours, tu fais ce que tu veux. Je rigole bien sûr. bien sûr, mais mais comment est-ce que tu capitalises pour ta retraite Je fais la technique de l'autruche. <laughs> mais non, tes coachs fait... fonctionnent bien. <laughs> voilà. Franchement, Armano, euh, là, non, mais en, en plus c'est à moitié vrai, c'est à moitié vrai. Euh, après là. Euh... On le voit dans le, dans le système actuel, euh, la retraite, tout ça, on, ça nous paraît impossible, loin, inaccessible. Moi qui suis euh, qui suis auto entrepreneur, je je, je l'ai dans le baba, quoi qu'il quoi qu'il arrive. Donc euh, tout ce que je me dis c'est que je vais devoir travailler toute ma vie. Je vois bien comment sont nos grands-parents. Ils, ils ont qu'une seule envie, c'est de travailler. Et de toute façon, ils n'ont pas assez de, de fric pour la retraite. Donc dans, les, dans tous les cas, ils sont perdants. Et je pense être déjà le plus grand des vainqueurs au niveau de la, de la défaite. <laughs> bon, écoute, il faut pas partir perdant. Non, mais tu je ne montes pas sur un ring. En oui, que tu vas non, mais ce que je veux dire par là, c'est que, je, au-delà de ne pas y penser, euh j'y pense pas <laughs> moi, moi je, je trouverai une formulation plus belle je dirais que tu crois en, sur toi et en ton avenir ouais. et que et tu crois en ta bonne étoile quelque chose de bien va se passer ça va te permettre de d'être euh, retraité rapidement ouais, je fais tout pour, pour. c'est plus ça que je fais c'est à dire que je mise sur le présent en me disant que ça ça mon futur en bénéficiera on aura les bénéfices du moins on parlait tout à l'heure de ceux qui t'accompagnent il euh, y a L'US Metro, il y a euh, le striking. Est-ce est... que tu as d'autres ouais, partenaires tout à fait. Je suis avec euh, Lactic aussi, euh, qui m'aide me, qui me, qui vachement euh, pour obtenir des, des sponsors qui sont un peu plus pro. Et c'est vraiment très compliqué à aller euh, à les toucher, aller voir des, des entreprises, surtout pour des, des sports aussi euh, mal vus et mal connotés que la boxe, parce que c'est assez compliqué d'aller voir des, des sponsors, euh, des entreprises et de leur dire Hé hey vous savez que je pète la gueule des gens Ça vous dirait de venir... <laughs> D'associer euh, votre euh, image de... exact, à la Exactement. Donc, il m'aide euh, là-dedans, ouais. J'avais échangé aussi avec Thibaut. Il t'aide justement à redorer un peu le blason, tout à, à montrer euh, le bon côté de la boxe parce qu'il n'y a pas que les bourpifs que tu prends ou ça, que vrai. tu donnes. Il y a aussi toute la résilience que tu mets dans ton travail, euh, tout l'acharnement euh, et toute l'obstination et puis euh, qui te permettent aussi de mettre en avant des valeurs qui peuvent être en accord avec celles des partenaires potentiels que tu peux et avoir. Et qui le sont bien plus que, que ce qu'on croit. Euh, moi, j'ai énormément d'avocats de, de, euh, très très bien placés euh, en coaching. Tout ce qu'on qu fait sur le ring, ils, ils voient tout de suite la corrélation euh, dans leur taf et ils, ils excellent. Ils excellent. Bon bah voilà, c'est un peu la conclusion. Du coup, si vous voulez exceller aussi bien au niveau bien sûr. personnel que professionnel, Pétez la, la péter la gueule aux gens, <laughs> la gueule aux gens, vous serez vous ne pourrez être que mieux meilleur avocat en plaidant votre propre euh, culpabilité, c'est très bien. Euh... Écoute, ça me va. Bon, euh, je te propose qu'on en reste là. Du coup, très bien, parfait. <rire> non, <laughs> est-ce qu'il est qu y a d'autres sujets que tu aurais voulu euh, aborder aujourd'hui euh, ouais, j'aimerais bien aborder bah du coup, ça fait un petit peu écho avec ce que j'ai dit euh, et ce que j'ai pas dit par rapport euh, à la motivation, je pense que notre euh, ma génération est un petit peu en manque d'inspiration par rapport à des gens qui pourraient les porter. Je pense qu'on a des très mauvais exemples. On a des mauvais exemples à la télé, dans les journaux, sur Instagram, etc. Je pense que on se focalise sur euh, sur ce qu'ils ont accompli et pas sur les personnes en, en soi. Je, je vais prendre l'exemple de Conor McGregor, qui est voilà au moins sera très connu, surtout dans les sports de, de combat. Oh là là, il a gagné le million, etc. Il est trop fort, c'est le plus beau, c'est le meilleur, et il a plein de ma, ple, plein de meufs, c'est trop bien pour lui. Mais je pense que ce qu'il véhicule à partir de maintenant est assez mauvais et autodestructeur parce que il, il transmet plus de valeur alors, une fois de plus, les valeurs, pour ma génération, c'est quelque chose de très très abstrait. On s'en fout un petit peu. On préfère le fric aux valeurs. Mais c'est là-dedans... C'est une valeur en soi, hein. Oui, tout à fait <laughs> C'est une... la meilleure des valeurs. <laughs> non, je... <laughs> non, mais voilà Arrête, Hermano <laughs> On comprend, non, on comprend, ouais. on, comprend non, on comprend. Non, mais, non, mais je pense qu'il n'y a, plus... a plus personne qui a des bonnes valeurs de, de... à transmettre. Et j'aimerais bien, bon, à mon petit niveau, et même, je suis pas un exemple, mais j'aimerais bien donner... L'envie d'avoir des valeurs. C'est bête ce que je viens de dire, mais juste avoir envie d'en avoir. Pas, pas d'en avoir, hein, mais d'en en avoir envie. Et, euh, et je sais que c'est très dur parce qu'on a énormément de confort, on, on est vite happé par le quotidien. Et je pense que le sport, et plus particulièrement la boxe, qui est pour moi le sport euh, ultime. C'est le sport vers lequel tous les autres sports tendent. Parce que je suis désolé, mais quand on fait de la course à pied, on se bat quelque part. Quand on nage, on se bat. Quand on fait une compétition, on se bat. Et la plus belle des batailles, c'est la boxe, puisque c'est celle qui est la plus pure. Et euh, je pense que chacun devrait au moins une fois mettre les gants pour se rendre compte qu'on n'est pas en sucre, qu'on a, qu a un meilleur mental que ce qu'on pense, et qu'on a envie d'avoir des valeurs qui, so qui seront communes et qui seront belles à porter. Oh, bah écoute. Ça c'est une belle conclusion, j'espère. Je t'en remercie. J'espère. Euh, tu, tu disais que quand on court, on se bagarre un peu. Je te confirme. Hein. Pendant ma traversée de la France, eh ouais. je suis tombé sur deux bons gros tarés ah. avec qui j'ai fini par boxer. Euh, wow. Un près d'Auxerre, ah. un à Toulon. Euh, bon, j'ai pas boxé longtemps, mais j'ai couru longtemps, donc euh, au moins j'ai pu les éviter. <laughs> Physiquement, t'as failli venir euh, aux mains. Non, ou... y en a un avec qui je suis venu aux mains. Euh, Magnifique. Alors pour la petite histoire, ouais. euh, j'étais sur une petite route de campagne en arrivant sur Auxerre et un mec avec sa camionnette a rien trouvé de mieux à dire que t'es sur ma route, oui. tu dégages. Ah ouais, Excuse-moi, ta route, on peut la partager. Non, non, non. Et lui est sorti de sa camionnette, il me bourré de bourre-pif. Donc lui s'est fait plaisir, tu vois, en envoyant. En, 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 en 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 ouais. Moi, je me suis mis en boule, j'ai évité, enfin, ouais. j'ai encaissé, et puis après, il ouais. a fini par partir. Voilà. Allez, victoire par abandon. C'est ça, quelque part. <rire> Exactement. <rire> non, mais euh, il mais, euh, y a des. Alors, au-delà de cet épisode-là, mais tu vois, se ce, ce battre contre soi-même en courant, en se disant Allez, je le fais encore une, une dernière fois, allez, je cours encore ce dernier kilomètre. Bon, allez, j'en peux plus, mais je vais pas manger, pas boire, et je vais courir encore. Ben ça, mentalement, c'est très très fort. et c'est tout, tout le monde peut essayer de le faire et c'est en ça qu'on va tous s'améliorer. Écoute, merci beaucoup. C'est moi, pour cette conclusion. Euh, J'ai encore deux dernières questions pour Bien toi. Bien sûr. La première, si tu pouvais vivre dans un monde un petit peu euh, fantastique, euh, un peu de science-fiction. On en reviendrait dans les années 90. Excuse-moi, pardon. Tu pourrais te, te reprojeter <laughs> ouais. à côté du petit ange ouais. qui va découvrir la savate. Lui te voit, ouais. connaît tout le parcours que tu as eu, donc que lui il va avoir, qu'est-ce que tu penses que lui dirait en, en, de toi en te voyant C'est pas assez. <laughs> c'est pas assez, fais plus. Ok. Du coup, tu lui répondrais quoi Je lui dirais, ouais, je sais, c'est dur, mais euh, je suis en train de le faire là. Je lui dirais, patience, patience, je, je vais en faire plus, je dois en faire plus, et ça va, ça va venir petit à petit. C'est moins, moins facile que ce qu'on croit. Ouais, mais c'est plein de motivation encore. Ah, tout à fait, j'ai pas le choix, ça ou mourir. Euh, et puis dernière question, si euh, on veut justement te suivre, euh, t'accompagner, te soutenir, euh, suivre un petit je peu je tout ce que je, tu racontes. J'essaierai d'envoyer mon RIB, tu me dis, sur, Ça <laughs> sur les réseaux. Euh, non si mais vous... pour contribuer financièrement déjà il y a Aubaine. Tout à fait, euh... il y a également Lactique, vous pouvez me soutenir là-dessus. Euh, après les messages d'encouragement de, me vont très bien sur Instagram, Facebook, euh, TikTok, euh, toutes les plateformes existantes, je suis dessus, et, excepté OnlyFans. Super. Enfin, on, bah... verra, on, verra, on, verra, on verra. On verra. On verra. Mais c'est autre chose. Ouais. Euh, mais euh, de toute façon, on mettra toutes ces infos là dans les notes euh, de l'épisode. Parfait. Ange, merci beaucoup de m'avoir accueilli dans ta salle. Enfin, en tout cas, dans la salle dans laquelle tu t'entraînes. Euh, J'en profite. On est là physiquement. Je prendrai la caméra. Je ferai quelques petites prises de vue. Je mettrai ça sur les réseaux. Grave. Merci. Et puis, <laughs> euh, bah ouais. Merci encore. Bonne continuation. Je te remercie bon voyage vers la Thaïlande. Yes. Merci. Et à très ouais. bientôt. Yes à bientôt. Alors on est tous d'accord, chaque athlète a une histoire unique, tout comme Ange Kunzli. Que vous venez d'entendre sur le podcast. Si son parcours vous a inspiré, eh bien rejoignez-nous sur les réseaux sociaux du podcast pour en discuter. Tous les liens sont dans les notes de l'épisode. Pour en découvrir davantage sur Ange et tous les autres sportifs du podcast et les soutenir dans leurs défis, eh bien, visitez le site vestiaire.org. On a besoin de vous, chaque euro compte et 100% des dons sont directement reversés aux athlètes. Le podcast Dans les Vestiaires met en lumière ces héros du sport et ils ont besoin de votre soutien. Et le plus simple, c'est de partager leurs histoires pour les aider à briller sur la scène internationale. Et puis comme ça, bah, tout le monde fera un peu partie de cette superbe aventure sportive et philanthropique. Partagez leurs épisodes, ça nous aide et ça les aide surtout eux. Allez, sportez-vous bien, entraînez-vous bien et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Salut les sportifs